La maison sous les arbres. La maison sous les arbres est un gîte au cachet particulier, puisqu'il est établi dans une demeure victorienne construite au début du 20e siècle, qui a été le toit de plusieurs des principaux bâtisseurs de la ville de Shawinigan et de ses premières grandes entreprises. Cette splendide propriété de 3 étages a également été un lieu de savoir, puisqu'elle a abrité la première école anglophone de la ville, ce qui en fait une demeure chargée d'histoire que les propriétaires ont plaisir à raconter. Aujourd'hui, elle accueille les visiteurs avec ses 3 chambres à coucher climatisées, au cachet sans pareil, à la décoration soignée et raffinée, inspirée des décors de jadis. La belle de nuit, la rose des vents et la romantique offrent un cadre propice à la détente et au recueillement. La plus spacieuse, la rose des vents, offre également une vaste terrasse. Il est également possible de passer d'agréables moments sur la terrasse extérieure ou encore sous le gazebo en admirant le cadre bucolique des lieux ou la vue sur la rivière Saint-Maurice. Un petit déjeuner offert à la salle à manger est différent chaque jour. Le forfait régulier peut également être doublé d'un repas gastronomique au restaurant Le Champy du secteur Grand-Mère, dont la table est reconnue pour la finesse de ses plats. Été comme hiver, il est possible de pratiquer une foule d'activités culturelles, de plein air ou de détente, puisque les principaux attraits touristiques sont accessibles en quelques minutes seulement. La maison sous les arbres, un gîte où le raffinement côtoie le bon goût dans une chaleureuse et apaisante ambiance.